Comme ça, je fais un petit peu de son. C'est bon les belles vitins. Les belles vitins. C'est caché des Pepsi. Ah ouais. Il n'y a que lui qui est malade. Tu savais pas qu'il mangeait des trucs aussi gros? Ouais. Oh, mais t'es con. Quelqu'un veut dire un mot? On a fait une bonne compète, c'est bien. On a fait un mot. Le journaliste viendra parler plus tard. D'accord. C'était trop cool. Trop cool. Ouais, il fait trop beau. Ouais, le soleil. Le soleil, il est là. Hop. Hein? Didier parmi nous. Didier. Rendez-vous 19h. Didier, le papa de Lenora. Ah, il est sourd, je crois. C'est bon. Rendez-vous à 19h pour le JT des GST. Ouais. Elles sont contentes, les petites, elles sont contentes. Aïe, ça fait trop mal. Oh, mais elle fait ça. Stop. Et action. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue au JT de 20h. Mais aujourd'hui nous sommes à Besançon et ce pourquoi? Pour le championnat de France à Besançon. Nous sommes avec deux équipes, une des jeunesses et l'autre des aînés. Le concours pour la plupart s'est bien passé. Les résultats sont demain, donc nous espérons évidemment des podiums. Il fait très chaud à Besançon, en ce moment il doit faire 30 degrés dans le car, mais plus évidemment oui. Mais autrement dehors, un bon ensemble, une bonne chaleur, très bien. C'est convivial, très convivial. Je vais interroger maintenant une des gymnastes qui a participé dans de l'équipe aînée. Ambiance très chaleureuse, oui. Ce beau soleil de Besançon. D'accord. Très contente de l'équipe. Et vous êtes, oui, voilà, vous êtes contente de votre compète en général? Prêt? Oui. Donc vous qui avez arrêté pendant un an, ça n'a pas été trop dur de se remettre dans l'équipe?
pas été. Elles vous ont pas trop fait de misère. Non, ça va. Pour l'instant, ça va. D'accord, très bien. Maintenant, je vais interroger une autre aînée, peut-être, hein, pour avoir notre avis. C'est différent. Donc, je propose Camille. Bonjour Camille. Bonjour Léna. Moi, c'est Madame Claire, je suis désolée. Donc, quelle a été votre impression sur ce début de week-end? Vous qui êtes venu justement par un autre moyen de transport, ça s'est bien passé? Très, très. Les petites secousses. Les petites zones de turbulence dans l'avion. Hein, ça a été? Très. Vos collègues n'ont pas trop eu peur dans le sens du tout. Du tout, d'accord. Et votre. Comment avez-vous retrouvé votre équipe? Très bon accueil. Vraiment. Heureux aussi, quoi. Comme dit ouais, notre ami. Très gentil. Je ne les connaissais pas avant. D'accord. Donc, pour ensemble. Donc, je vais vous quitter. Maintenant, nous allons à la fête de nuit. Et c'est parti pour la fiesta. Bye bye. Et c'est la Bretagne qui vient vers nous avec leur division et l'association régionale de sa division. C'est un doublé breton qui s'est trouvé complété du patronat de la ligue municipale de la cavale blanche des amazones de Brest. Yeah.
c'est sa carotte. Bravo. Et action. Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on a eu les résultats du concours du championnat de France de gym cette année en 2012, FSCF. Hein. Donc nous sommes le dimanche 24 juin. Il est 21h56 précisément. Et donc nous allons faire le bilan de cette compète. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai une coupe. Ce qui veut dire les aînés deuxième. Allez. Les jeunesses ont fait un très bon classement aussi. Septième. Ouais. Donc ce fut un très bon week-end, hein, eu de bonnes perspectives pour l'année prochaine qui sera encore meilleure, hein, comme d'habitude évidemment. Donc nous montons, hein, vous allez monter donc car oui, je vais vous en parler de suite. Enfin, moi, main triste, je prends ma retraite. Super ambiance, bon, à part une petite fête de nuit, un petit peu courte, on peut l'avouer. Oui. Un peu décevant, mais à part ça, très bon dans l'ensemble. De bonnes monos, hein, comme toujours. On peut les applaudir d'ailleurs. Mais aussi une très bonne ambiance d'équipe, et on ne va surtout pas oublier les chauffeurs. Hein. Bonjour, c'est Lisa. C'est Lisa.